Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la Copa avec Lorenzo Nazario. Vous avez vu, nous n'avons pas changé d'équipe, nous avons changé de maillot. Il y a eu les maillots qui ont été mis à jour pour certains clubs d'Argentine. Donc du coup, on commence la Copa avec un nouveau maillot. Et ce qui est marrant, c'est que du coup, on est au même mois qu'actuellement. Donc on est au mois d'avril. Donc c'est là où également aussi il commence la Copa. Vous pouvez voir également au classement que déjà deux clubs ont joué le match. Du coup, avantage au club brésilien. Par contre, avec la mise à jour, il y a eu beaucoup, beaucoup de problèmes. Plusieurs clubs qui n'ont plus de logo parce qu'en fait, ils ont fait une mise à jour. Ils ont modifié certains clubs, etc. Et je pense que du coup, ça a eu un impact dans ma copa à moi. Donc malheureusement, j'arrive vraiment au mauvais moment, quoi. Donc bon, je vous montre vite fait les maillots. Alors, normalement, on a trois maillots. Le problème, c'est que il n'y a pas le troisième maillot. Il est disponible en dehors de la carrière, mais dans la carrière, il n'est pas disponible. Donc c'est un petit peu chiant, surtout qu'en plus il est stylé parce que bon, c'est comme celui de l'OM ou du Milan AC, hein, c'est tous les mêmes, mais il était noir en fait, donc du coup il est sobre, il est très joli, mais on l'a pas, donc voilà. Et deuxième bug aussi que vous pouvez peut-être constater au niveau du short, c'est que le flocage est en blanc, voilà, ils ont oublié. On est parti et je voudrais également faire une petite parenthèse par rapport à la vidéo précédente que j'ai sortie, l'interface est magnifique. Je suis raté au montage, je vous ai fait rater un but, c'est pour ça que la dernière vidéo est sortie après en retard parce que j'ai dû la remettre en ligne en corrigeant le montage. Donc voilà, je m'excuse par rapport à ça, c'est moi, j'ai vraiment voulu faire le montage, enfin je voulais sortir la vidéo le jour même et du coup je me suis un petit peu précipité et au montage j'ai fait un petit peu n'importe quoi. Et la petite photo avec la petite pancarte et tout là. Allez, let's go. Et on peut voir aussi le derrière du maillot que du coup je trouve beaucoup mieux que le précédent. Let's go. Par contre, l'interface est très jolie. J'ai hâte de voir celui du score. Oh là là, oui. Ce petit doré là, magnifique. T'es un peu gros. Un peu gros à mon goût. Un peu gros, mais sympa. Sympa. Ça commence bien. Oh, ça commence bien. Oh, ça commence bien, le chapeau noir. Non. Donc bon, on va essayer de faire un bon match parce que je suis vraiment venu en Argentine, c'est pour jouer cette compétition. Je fasse attention de ne pas perdre les ballons comme je viens de le faire. Parce que derrière, ça peut faire très très mal. Ils ont l'air de quand même très très bien jouer. C'était tendu. Oh là là, le sponsor est plus gros, le sponsor. Bientôt, je vais faire de la pub pour des marques, moi. Elle était aussi gros comme ça, là. Oh, dommage. Par contre, on est très offensif. Faut vraiment qu'on fasse attention sur les contres. Et alors qu'il y a la Ola dans les tribunes. D'ailleurs, dans le dernier épisode, hein, j'ai mis... Oh là 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 là, ça fait peur. J'ai mis... Oh non, mon gardien, qu'est-ce que tu fais, frérot? J'ai mis des ambiances moi-même pour améliorer en gros l'ambiance dans le stade et tout. Donc, je le ferai peut-être là également, mais... Sur les phases offensives, on est très très bien. Oh là là, mais le sponsor encore! Ah, je l'ai mal frappé. C'était un peu mou. Oh, attention... Allez, allez les gars, faut marquer un moment, faut frapper. Ouh. Alors que la Ola continue dans les tribunes. Et le gardien n'a pas de nom sur son maillot. Ah ouais, d'accord, vraiment il y a des bugs de partout. Hein. En fait, c'est le problème de FIFA, c'est qu'ils veulent faire des mises à jour. C'est bien, ils mettent à jour certaines choses, la Copa et tout, c'est normal. Puisqu'ils ont la compétition. Mais... Ils font tellement de choses qu'ils, des fois, j'ai l'impression que les mages, en fait, ils se dépêchent à les faire. Oh là 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 là. Ils se précipitent et ils font de la merde. Comme moi, lors des derniers épisodes, j'ai fait le montage à l'arrache. Il s'est passé, j'ai loupé un but. Et bah, FIFA, c'est pareil, en fait. FIFA, c'est pareil. Ils sont là, ils font des mises à jour, mais ils oublient certains petits détails. Donc, bon. L'interface est incroyable par contre, hein. Mais le sponsor qui s'affiche tous les 3-4 matins là,
C'était quoi cette tête? Allez, 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 il faut mettre la pression. Oh, mais c'est pas possible! Le petit contrôle, la frappe du pied gauche, j'ai essayé de mettre la autant de force que je pouvais. On va redemander le ballon. Dites-moi dans les commentaires, là, vous en pensez quoi de... J'ai tenté la passe, je voulais frapper en roulé de base. Oh, à deux doigts. Oh là là, non, on est pas loin de marquer. J'étais à deux doigts là d'intercepter. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous pensez de l'interface. Je trouve vraiment magnifique. Juste le tableau des scores. Légèrement. Vous avez vu le maillot du gardien, on dirait le maillot du gardien de Steve Mandanda avec l'OM. Allez, là, faut qu'on marque. Hein. Il faut qu'on prenne ces trois points là. Moi, dans ces phases de groupe, je ne veux absolument pas de match nul. Je veux vraiment qu'on les gagne tous. Oh, je l'ai vu dedans. J'avais tellement le temps, mais... Ah non, elle est ratée, celle-là. J'ai l'impression qu'on les domine quand même sur les duels aériens. Allez, allez. Oui, magnifique. En plus, il y avait une faute derrière. Magnifique. 50e minute, 1-0. Bien joué. La petite passe là. Oh là là, voilà. Pratiquement une touche de balle. Oh, derrière, il y a une grosse faute. Hein. Il y a une grosse faute. C'est mérité qu'ils se prennent le but là-dessus. Hein. Et ensuite, la frappe. Voilà. En plus, elle a un léger petit effet. Je crois que le gardien la touche légèrement. Redonne. Hop. Oh, il aurait pu la redonner. Dommage. Dommage. Bon, là, je pense que c'est plus un problème de l'IA qui est manque d'intelligence. Mais il y avait quelque chose à faire pour la redonner de nouveau dans l'axe. Il y a toujours la Ola dans les tribunes. Hein. Voilà, les défenseurs qui passent devant les joueurs pour intercepter les ballons. C'est ce qu'on veut voir. Oh là 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 là. Oh là là. Oh non, mais non, mais non, mais non, mais faut la placer ailleurs. Oh, c'est dommage encore, là, magnifique l'action. Par contre, on est très offensif, hein, j'ai vraiment peur. Hein. Oh, c'est plutôt cool, hein, faut mettre le deuxième but, mais doucement quand même. Vas-y, presse. Ah, il est hors jeu, putain, il est hors jeu. Oh, encore des sponsors. Cette fois-ci, c'en est d'autres. Je vais pas trop complimenter ma... En fait, la Olas ne s'arrête jamais dans les tribunes. Ouh, c'est quoi ce ballon? Oh là 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 là. Par contre, les sorties de balles, les gars, faut faire un effort. Hein. Allez, mon capitaine qui va partir à la retraite. Oh là là, oh, faut que je fasse attention à mon endurance. Oh oui. Oh non. Le voilà, le sponsor Rexona qui s'affiche. Ok, on est dans le temps additionnel. C'est bon, on va gagner quoi qu'il arrive. On va faire un petit appel au premier poteau. C'est mal tiré de ma part. Oh non, c'est bien tiré, let's go. Let's go, 2-0, voilà. Allez. On l'a bien frappé. J'avais peur en fait de l'avoir frappé trop fort parce que du coup quand vous tirez très très fort c'est tendu. Et au final elle a atterri vraiment au bon moment, au bon endroit. Oh, c'était pas loin quand même. Parfait, 2-0 pour le différentiel, c'est très très bien ça aussi. Allez, on enchaîne, j'ai fait les entraînements pour monter un petit peu la confiance. On affronte Santa Fe. Alors là, Santa Fe, malheureusement le logo a été supprimé. Mais ils ont leur maillot. J'avais peur d'affronter une équipe qui n'existe plus en fait. On est à domicile. Let's go. C'est parti. Premier match aussi avec ce nouveau maillot blanc.
Mais c'est vrai qu'on a joué le match tout à l'heure à l'extérieur, on était quand même très très offensif pour. Allez, boum. Oh, dommage, il l'avait bien croisé en plus. C'est pas grave, c'est pas grave. Ça passe pas loin. Oh, attention, oh, attention. Voilà, c'est passé un peu trop facilement là sur le côté là. Et là, je me suis aperçu là, ouais, on peut voir que j'ai voulu aller, mais j'ai pas forcément trop regardé ce que j'étais en train de faire. J'ai essayé de tacler en plus. Ça aurait pu finir en. Ouais, je suis passé derrière lui en fait. Je suis passé derrière lui. Les 20 premières minutes pour l'instant sont compliquées. Sont compliquées. Peut-être une deuxième occasion. Allez, c'est l'instant publicité. Allez, Lorenzo. Wow, c'est bien fait ça. Ça, c'est bien fait. Allez, oh, il va vite lui, hein. Il galope, hein. Oh. Oh, mais c'est le néerlandais qui est titulaire. Ok. Donc ça, ça va être un bon point pour les corners. Oh, attention, c'est parti dans le dos. C'est parti dans le dos, Guerrero. Qui se loupe totalement. Oh là 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 là, c'est parti dans le dos de la défense, là. Non, il y avait autre chose à faire. Oh, dommage. Aïe, 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 il fallait avant la donner avant. Fallait la donner avant. Oh là 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 là. Oh, il se loupe encore. On s'en sort très très bien pour l'instant, mais. Va falloir vite marquer. Hein. Oh là là, c'est mon gardien qui la touche légèrement, je crois. Dans tous les cas, il y a vraiment quelque chose à faire. Autant on peut marquer, autant ils peuvent mettre le deuxième but eux aussi. Allez! C'était pas mal, c'était pas mal, c'était pas mal. Allez, on va chercher mon grand attaquant. Dommage. Allez, boum! Oui! Let's go! Allez! Voilà, le défenseur, il a pas bougé de la ligne. Regardez, il était encore sur la ligne. Il était encore. On a tiré le corner, il s'était même pas repositionné. Non, non, il est resté sur la ligne. Hein. Et ce petit tête lobé là. Oh, dommage, dommage. Il faut attendre. Il faut. Ah, il frappe tout de suite à chaque fois. Oh, j'ai voulu tenter. Hein. Il y avait la place, il y avait l'espace. Attention. La 86e minute, hein. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On applaudit, bien sûr, Lorenzo. 3 minutes de temps additionnel. On va leur laisser la dernière occasion là. Je vais oh, ça dans le dos. Oui. Mon gardien, bien joué. Bon, on repart avec le match nul. C'est dommage. C'est dommage, j'aurais voulu. Ah, on s'en sort bien quand même. On s'en sort bien, mais prochain match, il va falloir prendre les 3 points. Allez, on enchaîne avec le club brésilien. Du coup, ils ont pris la première place avec 6 points. Donc, si on gagne, on prend la première place. Donc, let's go. Hein. Allez, let's go. C'est parti. Oh, attention, encore une fois là. Ok. Tu veux pas partir en profondeur, frérot? Non, mais lui, il est pas chaud du tout pour partir en. Allez, allez, coup de pression là, dès le début. Bien joué, bien joué, bien joué, bien joué la récupération là. Oh, let's go, let's go, let's go. Let's go. Oui, magnifique. Je le savais qu'il allait me la redonner de nouveau. Les grands joueurs comme ça, ils vont pas assez vite. Ils vont pas assez vite, c'est le problème. Il la rejoue souvent sur vous, mais là ça va, j'ai pu.
à ce moment-là où il me la redonne, lui redonner sans qu'il soit hors-jeu. J'avais juste peur de ce moment-là. Je l'aime beaucoup ce joueur, je l'aime beaucoup. Ça, j'ai l'impression de jouer pour Arsenal avec ce maillot-là. Il ressemble quand même... Il y a un petit air de maillot d'Arsenal. Oh, bien joué. Oh, bien joué. Hop là, on est venu gêner. Et là, sur les comptes, ça peut faire mal. Hein. Sur les comptes, ça peut faire mal. Allez, c'est pour mon néerlandais, ça. Allez. Vous avez vu les grands joueurs, quand ils, au moment où ils frappent, ils sont tout le temps équilibrés. Regardez, ils sont jamais penchés ou quoi que ce soit. Vous avez vu? C'est pour ça que quand vous faites un grand joueur, quand vous créez votre joueur et vous faites un grand joueur, les frappes, quand vous frappez vos frappes, elles sont belles. En fait, elles sont nickel au moment où vous frappez. Parce que le joueur reste assez, assez droit en fait, au moment de la frappe. C'est pour ça que c'est un avantage d'être grand. Attention, attention, pas trop tenté. Il lui manque des cheveux à l'arbitre derrière, non? Je crois qu'il lui manque un peu de cheveux, monsieur l'arbitre derrière. C'est pas pour me moquer, hein, c'est juste un constat. Regardez, vous avez vu ou pas? Vraiment que ce soit peut-être une tache, je sais pas trop. Ouais, c'est trop fort. Regardez, même là, on voit l'arbitre qu'il a une tache derrière la tête. Ça se voit. Alors, je sais pas si c'est le fait qu'il a pas de cheveux qui est du coup. Oh putain, c'était sûr. C'était sûr. Mais regardez, voilà, là je m'arrête. Ouais, là c'est de ma faute. Je me suis arrêté. Personne derrière. Ah dommage, le match nul aussi. Ah dommage pour la première place. Nous sommes actuellement deuxième, troisième journée. Donc il faudra prendre les 3 points la prochaine fois aussi pour essayer d'assurer cette deuxième place. On peut voir que du coup le troisième a perdu. Hein, a perdu. Donc c'est pour ça que d'ailleurs on s'en sort plutôt bien. Pour la suite, dans le prochain épisode, on se refait la même chose. En espérant cette fois-ci une petite victoire quand même face au club brésilien. J'aimerais bien. Donc il va nous rester 2 matchs. Et ensuite, bon, normalement, je pense que ça va bien se passer. Donc voilà, n'hésite pas à mettre le petit pouce bleu à la vidéo, à t'abonner à la chaîne si t'es toujours pas le cas. Merci à tous ceux qui le feront. Mais surtout, n'oublie pas le petit pouce bleu, c'est très très important. Merci à tous ceux qui le feront. Parce que parfois, voilà, on est 200, 300, vous êtes présents. Mais il y a ce petit ratio qui correspond pas au nombre de personnes qui ont vu la vidéo. Donc merci à tous ceux qui mettront le petit pouce bleu. Donc voilà, à très vite. Ciao tout le monde.